les gars, on pousse. Allez. Eh bien, l'armée de terre, c'est ça. Alors, si ça vous tente, sachez qu'elle recrute chaque année 15 000 jeunes. Mais l'armée de terre, c'est vaste. C'est à elle seule plus de 400 spécialités différentes. Pour connaître votre affectation, pour choisir votre voie, bref, pour vous aider à vous y retrouver, j'ai mené l'enquête. Mais d'abord, l'armée de terre, comment ça marche? Comment est-elle organisée? Pour le comprendre, j'ai choisi de vous emmener sur ce qui pourrait être un champ de bataille. Vous allez voir, ça permet de comprendre pas mal de choses. D'abord, au contact de l'adversaire, on a l'infanterie. En rugby, ça serait la première ligne, sauf qu'ici, c'est pas pour jouer au ballon. Marquez ! Bravo, parti ! Ok, à l'avant ! Du dynamisme en permanence, ok, de la sûreté et du commandement au geste. Ici, nous sommes avec des soldats de l'infanterie. Ils s'entraînent pour une mission de combat. Lui, c'est le chef de groupe. Mon adjudant, s'il vous plaît, quelle est la mission aujourd'hui? Alors, la mission du groupe cet après-midi, c'est de travailler le combat en localité. Bravo, prenez les devants, c'est parti. Pour ceux qui aiment l'action, au sein des armes de mêlée, vous serez servi, vous serez en première ligne, directement au contact de l'adversaire. Conviendrez, c'est plutôt une drôle de façon pour visiter les lieux, mais c'est un vrai savoir-faire. Alors, pour faire partie de cela, il faut être en très bonne forme physique, endurant, persévérant, tenace, réactif, comme le groupe de combat avec lequel je suis aujourd'hui. Bien sûr, on passe par une formation, un apprentissage, mais il faut faire preuve de courage, savoir donner aussi, car ici, la cohésion, ça prend tout son sens. Allez, Arnaud, on y va. En avant. Vous voyez, ce sont parfois des conditions rustiques. Rusticité, oui, mais l'armée de terre dispose aussi des dernières technologies en matière de combat. Alors, caporal, on se trouve où ici? Alors, ici, on est à l'arrière du VBCI, le véhicule blindé de combat de l'infanterie. Vous pouvez transporter combien d'hommes avec ce véhicule? En tout, on transporte 11 hommes, donc c'est un groupe de combat complet plus son armement. Alors ça sert à quoi? Alors ça, c'est l'écran du pupitre chef. Il nous permet de gérer le véhicule. Et l'écran juste au-dessus, alors? Ça, c'est un écran qui nous sert à visualiser tout champ de bataille par satellite. Impressionnant, hein? Mais c'est important, ça? C'est très important, puisque ça permet de beaucoup mieux coordonner la manœuvre. Retournons sur le champ de bataille. L'infanterie n'est pas seule. À ses côtés, pour l'épauler, on trouve l'arme blindée cavalerie, les chars, quoi. Attention à la puissance de feu, nous sommes sur le char Leclerc. 4000 mètres de portée de jour comme de nuit, 75 km/h, 6 coups par minute, un canon de 120. À l'intérieur, un équipage de 3 hommes solidaires, le tireur, le pilote et le chef de char. Aîné, vous voulez un petit dessert? Ah, merci. Ah ben, mon adjudant, qu'est-ce qu'ils font là-haut sur le char? Ben, on va s'installer pour la nuit, sur la plage arrière, il fait chaud, on peut dormir. Sur le moteur? Sur le moteur. Salle du couchage. Merci. Bonne nuit. Ah ben, dans ce métier, il faut aimer le camping, hein. Tiens, un bon café midi. Très chaud, très sucré, surtout très fort. Ah, merci, c'est sympa, ça. Hé, venez voir, j'ai quelque chose à vous montrer. Là, maintenant? Maintenant. J'ai pas mes chaussures. Ah oui, on y voit bien dans la nuit, hein. Mais c'est quand même très vert, hein. Pas de répit pour nos soldats, ils mènent aussi le combat de nuit.
Tous ces hommes sont spécialisés dans le combat direct. Ils font partie de ce qu'on appelle les armes de mêlée, principalement l'infanterie et la cavalerie. Ils sont chargés de s'emparer du terrain et d'en garder le contrôle. Heureusement que vous m'avez trouvé parce que je me voyais pas finir mon enquête sur cette zone perdue. On est où là? Ça marche comment? Et dans l'armée de terre, vous êtes nombreuses? Plus que vous le croyez. On est presque 13% et dans tous les domaines de spécialité. Oula, mais on a attaqué ou quoi? Non, c'est la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre, les appuis aériens. La latte, le génie, l'artillerie, ce sont les appuis. Ils sécurisent la zone d'action des soldats situés plus en avant. Dans l'artillerie aussi, c'est physique, pas le temps de souffler. Et bien pour toutes ces unités, il faut penser approvisionnement. La logistique, le soutien, quoi. Il s'agit d'assurer le ravitaillement en vivres, en carburant et en munitions au profit des forces engagées à l'avant. Les armes du soutien participent également au maintien en condition et à la réparation des matériels endommagés, mais aussi au traitement et à l'évacuation des blessés. Nous sommes ici sur la zone de déploiement d'un hôpital de campagne. Cela fait partie de la composante soutien de l'homme, objectif soigner les blessés qui viennent du front. Pour armer cet hôpital, c'est 80 militaires avec entre autres chirurgiens, infirmiers, conducteurs et brancardiers secouristes. Nous sommes en plein exercice. En fait, dans l'armée, on s'entraîne beaucoup pour être toujours opérationnel. Par exemple, ici, il s'agit d'un blessé qui est en train d'être emmené au bloc chirurgical pour être soigné. Répéter encore et encore les mêmes gestes permet d'acquérir des réflexes qui, en situation réelle, sauveront des vies. En exercice ou en mission, les soldats doivent pouvoir communiquer entre eux, connaître leur situation et anticiper les intentions de l'adversaire. Bref, la coordination, c'est le rôle des centres opérationnels tactiques. Alors mon commandant, qu'est-ce qui se passe ici? Donc ici, on est dans le centre opération où on dirige la manœuvre. Les écrans d'ordinateur nous permettent de suivre l'action sur le terrain de toutes les unités déployées. Et tous les personnels, ici présents, travaillent à leur profit. Alors vous, Marco, je crois que vous exercez une fonction un petit peu particulière dans l'armée, parce que vous êtes interprète, hein, c'est ça? Tout à fait, traducteur-interprète, spécialiste en langue serbo-croate. Et alors, quelle est votre fonction ici, puis après sur le terrain? Alors ici, je vais traduire des documents comme de la presse, et ensuite sur le terrain, je vais plutôt aller à la rencontre de la population, voir les chefs des villages, etc. En fait, voilà, le lien entre les gens, la population, et puis le commandement. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on dit bonjour, comment ça va en serbo-croate? Dobar dan, kakoste. Dobar dan, kakoste, ça. Très bien, très bonne prononciation. En fait, dans l'armée, des spécialistes comme Marco, ils sont très nombreux, ils font partie notamment de ce qu'on appelle le renseignement. Je
Sur le territoire ou en opération extérieure, le personnel doit être géré et administré. C'est le rôle de ce qu'on appelle le commissariat, le cadre spécial et le corps technique et administratif. Par exemple, ici, à la direction des ressources humaines, on trouve des spécialistes du droit, de la finance, de la gestion, et même des informaticiens et un webmaster. Mais attention, ces personnels se retrouvent également sur le terrain, en opération. Vous l'aurez compris, dans l'armée de terre, chacun tient un rôle essentiel, chacun peut y trouver sa place, à condition bien sûr d'être motivé, d'avoir l'esprit d'équipe, l'esprit d'entraide. Il y en a pour tout le monde, qu'on soit mécano, transmetteur ou pilote, on est tous soldats. C'est la combinaison de toutes ces compétences, individuelles et collectives, qui permettent à l'armée de terre d'accomplir toutes ses missions.